Le projet Angora a été réalisé par 8 étudiants ingénieurs en dernière année au sein du département EDIM de l'UTBM au cours du semestre d'automne 2014. En 4 mois, nous avons travaillé sur un concept d'hélicoptère intégrant des aménagements haut de gamme et modulables, en mettant en place un processus de conception allant de l'analyse du besoin jusqu'au modèle numérique final. En résumé, l'objectif était d'intégrer des prestations VIP et corporate dans un hélicoptère léger offrant confort et fonctionnalité. Bien que n'ayant pas de connaissances spécifiques sur les hélicoptères, nous souhaitions réaliser un concept techniquement viable, ce qui nous a amené à nous documenter sur la réglementation et les données techniques liées aux voilures tournantes. Notre projet s'orientant sur une gamme d'hélicoptères non traités à ce jour en termes de prestations haut de gamme, nous nous sommes intéressés à ce qui pouvait se faire dans des engins de dimensions supérieures et à d'autres domaines tels que l'aviation, l'automobile ou le design intérieur. Au cours du projet, nous avons eu la chance de bénéficier des conseils d'un professionnel de l'aéronautique et surtout des hélicoptères. Son expertise nous a été très utile pour garder d'une part une lucidité technique et aussi pour orienter nos recherches et solutions innovantes. Nous avons ensuite cherché à se représenter réellement nos avant-projets afin de procéder aux premières validations ergonomiques ainsi qu'aux validations des prestations que nous avons définies dans notre cahier des charges. Pour cela, nous avons simulé physiquement l'espace intérieur de l'hélicoptère avec nos agencements imaginés. Conjointement, nous avons procédé aux premières recherches créatives sur papier afin de définir le style que nous voulions donner au concept ainsi que les prestations que nous souhaitions apporter. Après avoir gelé les configurations pour chacune des architectures VIP et corporate, ainsi que le style général à donner à celle-ci, notre travail consistait en la réalisation de concepts finaux sur planche, intégrant toutes ces solutions. À l'aide de plans techniques et de sketch, nous avons pu représenter notre modèle pour qu'il soit le plus réaliste possible. Nous avons commencé par modéliser l'enveloppe extérieure afin de fixer les cotations dimensionnelles de l'intérieur. Le passage du dessin papier au modèle numérique n'a pas été simple à réaliser. Il a fallu reproduire les courbes suggérées en 2D en un modèle fidèle et détaillé.
de valider notre concept, nous sommes passés sur la plateforme de réalité virtuelle Prevercos. Cela nous a permis de bien nous rendre compte de la pertinence de notre concept dans les conditions réelles. À la suite de cette validation, notre concept est en accord avec les objectifs fixés par rapport à la cible visée.